Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et bienvenue ici à Los Angeles pour le cinquième jour de l'aventure. Regardez, il fait beau, il est presque 8h du mat, il fait beau. Par contre, il va faire moins chaud qu'hier. Hier, il faisait super chaud, il faisait 37 degrés. Là, on avait vu un peu, il fera 32 degrés, donc ça va un peu. Mais 37 hier, on n'en pouvait plus. J'avais pris une douche, ça faisait super bien, du bien. Peut-être aujourd'hui, on va aller un peu profiter justement de la piscine de l'hôtel. Et puis après, nous allons visiter un peu. Nous allons normalement aller au lycée de Teen Wolf. Bon, ça y est, on vient de se garer et donc là nous allons à Hollywood Boulevard. Donc en plus de ça, il y a l'étoile de Bruce Lee. Donc voilà, et ça c'est énorme. J'ai trop hâte. Il y a Shrek. Hey, what's up, man? Hey, hi. Let's take a picture. Hi. Let's get photos. You guys shooting a video or what? What is it? A vlog? Yes, it's a vlog. A vlog? Hey. Oh, bonjour. All right. French? French? Yes. Yes. Okay. Voici. All right, quick. Spider-Man. Paris? Paris? Yes. Nice. Paris. No, you not? Us. Just him. Just him? What about you? Britain. From Britain? Yes. Really? Wow, amazing. Britain aussi. I'm French. All right, guys. I don't speak English. Yeah. Your English is good. Merci beaucoup. Bye. Merci. Merci. Oh, okay. King, David, you got it. What's up, David? Hey, David, King Bully is my artist name. I'm from New York, though. And we don't put a price on it, David. We just ask that you make a small tip. Whatever you want to give, it's up to you. Small donation. Thank you. It's a tipper. Okay. Mom, how you doing? You don't speak English. It's a tip for the album, Mom. Whatever you want to give, it's up to you. We just work off a donation. I gave him mine. I'm from New York. King Bullion is my artist name. What's your name? Tracy. I'm gonna call you Queen Tracy. Give me some. Give me some love. Queen. So we just, I signed it for him. We just work off a tip. Whatever you can do, beautiful. Il m'a demandé de l'argent pour le CD. Ah ouais, mais combien? Juste. On dit qu'on a déjà donné à son frère. Bah oui. We already give $5 to your brother. Yeah, but you know what? He's got his own album. This one is mine. Okay. Yep. So, dis quoi? C'est chacun. And if you need change, I'll give it to you. I got plenty. Just let me know. Thank you guys, I appreciate it. It's really worth it. It's 20 songs on my album. Ça, je prends des argent encore alors. Thank you. These people do 20 for mine, 50 online. Do it for you. But look, don't forget, go to my Instagram. It's at the top of his okay. Dick. Oh, I appreciate okay. You guys. Much love. Thank you. Son malin, il donne comme ça. Ouais. Ouais, mais le truc il. Ouais. Le truc qui. Hugh Jackman, c'est il donne comme ça. Oui. Il m'a demandé si c'était de la copine. J'ai dit oui. Il m'a dit bon boulot, mec. Il m'a fait un check. Il y en a la Il y a Bruce Lee. Bruce Lee. Non, faut que je m'arrête. Bruce Lee. Nous sommes à côté de mon étoile que je cherchais. Ça a été vite chercher l'étoile. Elle était à côté. Ouais, moi, ça va. Bruce Lee.
vu que moi je suis passionné de Bruce Lee, j'adore Bruce Lee, et ben, je vais le voir cette étoile. Oh là 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 là, Bruce Lee. Dis-moi ce que t'en penses. Orlando Bloom, John Charles Thomas. Oh là là. Ça fait plaisir. Vas-y, je vais prendre en photo avec mon portable. Ça va être énorme. Je prends avec mon portable, c'est sûr. Là, on va parler un peu de GTA. Vous reconnaissez ceux qui jouent à GTA. Si vous reconnaissez le cinéma est vraiment bien représenté dans GTA avec les étoiles juste à côté. Franchement, c'est sympa. Et là, il y a tous les noms avec les mains et tout ça, leur empreinte. C'est énorme. On a vu Harry Potter. Normalement, j'ai filmé Harry Potter. Franchement, c'est énorme cet endroit, partout il y a plein de monde. Évidemment, c'est touristique ici. Normalement, on devrait voir les lettres d'Hollywood, mais je sais pas où il se trouve. Wow. C'est énorme. Franchement, c'était vraiment pas mal. Ce petit coin, trop de touristes, mais c'est normal, hein, évidemment. Avec le Spider-Man, franchement, il était sympa, même si j'ai rien compris ce qu'il me disait. Et puis, j'ai acheté la casquette de Los Angeles. Et oui, pour marquer le coup, mais 5$. Après, je sais pas si ça va passer, mais 5$, c'est bien. Je suis beau gosse, non? Bon voilà, on vient de finir la piscine, etc. Franchement, j'ai adoré cette journée, à part qu'il y a plein de choses qu'on devait faire, et bah c'était fermé, ou il y avait un match. Bah, on devait voir un stade de football américain, prendre en photo, même en vidéo, et bah il y avait un match, donc on n'a pas pu. Il y a eu juste Hollywood Boulevard, c'est pour ça qu'il n'y a que ça dans la vidéo qui a marché. Voilà.
Donc, c'était vraiment pas mal, Hollywood Boulevard. J'ai trouvé mon idole en étoile. Ça, c'était vraiment bien. On devait donc aller au stade, mais on n'a pas pu à cause du match. On devait aller voir la statue de Bruce Lee. On n'a pas pu. Il n'y avait pas de place. C'est compliqué de trouver une place ici. On devait aussi... On devait faire plein de trucs en fait, je me souviens plus du coup. Mais ouais, on devait aller dans un parc qui est très très beau. On n'a pas pu, il n'y avait pas de place non plus et c'était galère. Voilà, et on a fait que Hollywood Boulevard. D'ailleurs, c'était vraiment bien ce lieu. Ça m'a fait penser aussi à mon jeu GTA. Vraiment pas mal. Par contre, trop de touristes, évidemment, c'est normal, hein. J'ai essayé de trouver Harry Potter. On a trouvé Harry Potter en étoile avec la main, etc. Ça, c'est bien. Ben Johnson aussi, on a trouvé pas mal de noms. Will Smith aussi, franchement, c'était génial. Par contre, un peu déçu parce qu'on n'a pas vu les lettres d'Hollywood. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire quand même si on devait faire plus de trucs, mais on n'a pas pu. C'était vraiment génial et franchement, je vous conseille de venir à Los Angeles. C'est vraiment un lieu magnifique. Voilà, demain, on va faire plus de trucs, je pense. On va aller à la plage avec justement la fête foraine. Et voilà, donc demain on va faire plus de choses, je pense. J'espère qu'on aura le temps quand même. J'ai envie de voir la statue de Bruce Lee. Et j'espère qu'on, avant de partir à Williams, parce qu'on va aller partir à Williams, j'espère qu'on va pouvoir aller quand même au quartier chinois pour voir la statue de Bruce Lee. Mais ouais, c'est bien dommage qu'on n'a pas pu faire plein de trucs, mais Vinwood. Hollywood Boulevard était bien. Ouais, Vinwood, c'est le nom qui change pour Hollywood Boulevard. C'est sur GTA, c'est Vinwood, c'est pour ça. Mais voilà, mais franchement, c'était très très sympa cette journée. C'était vraiment sympa, même si on n'a pas fait grand chose. Voilà, mais on a quand même profité vu qu'on a levé le temps. On a le temps, on profitait de la piscine et voilà, ça fait du bien par cette chaleur. Donc, demain déjà sixième jour, oh là là, ça s'approche de la septième jour, après il restera sept jours à faire, ça passe vite, donc demain, sixième jour, donc à la plage cette fois-ci, ça va totalement changer, à la plage de Los Angeles, pour, un hommage à tous les joueurs de GTA qui font du RP et tout ça. Voilà, en hommage, on va aller là et à côté il y a Del Perro. On va voir si on pourra y aller à Del Perro. Je vais essayer de trouver le lieu. Et donc voilà, donc demain même heure pour vous, la semaine prochaine même heure. Allez, mettez un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Et à plus tard. Ciao, ciao.